Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir les équations du premier degré à un inconnu. Mais d'abord, je vais rapidement rappeler de la définition d'une équation du premier degré à un inconnu. C'est quoi une équation du premier degré à un inconnu? Donc, c'est toute égalité qui peut s'écrire sous la forme a plus x égale à b, ou bien ax égale à b, avec une seule condition que A non nul ou bien différent de 0. Avec A et B sont deux nombres décimaux relatifs et X représente l'inconnu. La valeur de X est la solution de l'équation. Par exemple, 3 plus X égale à 6, 6 moins X égale à 8, 2X égale à 9, et 3x moins 7 égale à 0. Donc ici, il ne faut pas voir x comme un lettre, mais comme un nombre qu'on ne connaît pas. On passe à résoudre une équation. Donc ça veut dire que vous devez trouver toutes les valeurs de x. Ici, c'est l'inconnu. Pour la partie gauche, que ce soit égal à la partie droite de l'équation. Donc, pour ce faire, il faut bien connaître certaines règles, ces règles de calcul. Dans la première règle, vous avez A égale à B. Donc, vous pouvez soustraire le même nombre des deux côtés, plutôt. Donc, vous pouvez soustraire, comme vous voyez, moins C du premier côté et du deuxième côté. Par exemple, ça va nous servir de résoudre cette équation. Comme vous voyez sur l'exemple, nous avons x plus 5 égale à 7. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre but, c'est d'isoler x. Pour le faire, il faut se débarrasser de 5. Donc, on doit, comme vous voyez, vous avez plus 5. Donc, on doit penser à l'opération inverse. Donc, plus 5. Donc, vous allez bien réfléchir, c'est moins 5. Donc, x plus 5, on va soustraire moins 5 des deux côtés. Et après, on obtient quoi? On obtient x plus 0, parce que 5 moins 5, c'est la somme de deux nombres opposés, donc égale à 0. Et dans le deuxième côté, vous avez 7 moins 5, c'est égal à 2. Donc, x égale à 2. Donc la solution de cette équation, c'est 2. La deuxième règle consiste à rajouter le même nombre de deux côtés. Comme vous voyez, vous avez a égale à b. Donc si vous rajoutez le même nombre aux deux côtés, donc c'est a plus c égale à b plus c. Donc, ça va nous servir de résoudre les équations. Comme l'exemple suivant, vous avez x moins 2 égale à 11. Donc, pour résoudre cette équation, il faut isoler x. Et pour le faire, il faut se débarrasser de moins 2. Donc, pour le faire, il faut penser systématiquement à rajouter l'opposé de moins 2, donc c'est x moins 2 plus 2 égale à 11 plus 2. Moins 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 0, parce que c'est la somme de deux nombres opposés. Donc, ça nous mène à x plus 0 égale à 13. Donc, on obtient x égale à 13. La solution de cette équation, c'est 13. La règle numéro 3. Si vous avez A égale à B, donc on a le droit de soustraire, rajouter et aussi de multiplier et de diviser. Donc dans la règle 3, nous allons multiplier les deux côtés de cette équation par le même nombre. Nous obtenons A fois C égale à B fois C. Donc, pour résoudre
l'équation observant de cette règle, comme vous voyez sur l'exemple, x divisé par 2 égale à 3. Donc, pour isoler x, il faut se débarrasser de diviser par 2. Donc, on va multiplier les deux côtés par 2. On va simplifier par 2. Nous en obtenons donc x égale à 6. Et dans cet exemple, enfin, vous avez la solution, c'est 6. Dans la quatrième règle de calcul, donc nous avons a égale à b. Quand vous pouvez diviser, plutôt multiplier, donc vous pouvez aussi diviser avec une seule condition, c'est que le nombre soit différent de 0. Donc a égale à b, comme vous voyez, on peut diviser les deux côtés par le même nombre. Donc, a divisé par c égale à b divisé par c. Dans cet exemple, vous voyez 3x égale à 18. Donc il faut isoler et déterminer la valeur de x pour que la partie gauche de cette équation soit égale à la partie droite qui est 18. Donc pour le faire, il faut trouver la valeur de x. Donc on va se débarrasser de 3 en divisant les deux côtés par 3. Alors, 3x divisé par 3 égale à 18 divisé par le même nombre, c'est 3. Donc, simplifions par 3, il nous reste dans la partie gauche x. Et dans la partie droite, vous obtenez 6. Donc, la solution de cette équation, c'est 6. On passe maintenant à exercice d'application. Donc, vous devez résoudre les équations suivantes. X moins 7 égale à 13. X moins 9 égale à 8. X plus 22 égale à 27. X divisé par 5 égale à 2. X divisé par 8 égale à moins 3. 9x égale à 72. Et 5x égale à 20. Alors, pour résoudre l'équation x moins 7 égale à 13, donc pour ce faire, il faut bien rappeler qu'on a le droit de ajouter ou bien soustraire, diviser ou bien multiplier les deux côtés par le même nombre. Donc, il faut se débarrasser de moins 7. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut ajouter l'opposé de moins 7. Pourquoi? Parce que pour résoudre cette équation, donc on va penser à l'opération inverse. Et l'opération inverse de moins 7, c'est plus 7. Donc on va rajouter plus 7 aux deux côtés. Vous obtenez x plus 0 égale à 20. Donc, la solution de cette équation, c'est 20. Pour résoudre l'équation x moins 9 égale à 8. Donc, pour le faire, il faut se débarrasser de moins 9. Donc, il faut rajouter plus 9 aux deux côtés. Donc, il vous reste dans la partie gauche x et dans la partie droite, vous obtenez 17. Donc, x égale à 17. La solution de cette équation, c'est 17. À l'équation suivante, vous avez x plus 22 égale à 27. Donc, pour se débarrasser de plus 22, on va soustraire 22 des deux côtés. Donc, x plus 22 moins 22 égale à 27 moins 22. Vous reste x plus 0 dans la partie gauche. Dans la partie droite, vous obtenez 5. Donc, x égale à 5. D'où vient la solution de cette équation? C'est 5. Pour résoudre l'équation x divisé par 5 égale à 2, vous devez penser systématiquement à l'opération inverse. Donc, vous allez multiplier les deux côtés par 5. Donc, x sur 5 multiplié par 5 égale à 2 fois 5.
En simplifiant par 5, non, la partie gauche, il vous reste que x, et dans la partie droite, vous obtenez 10. Donc, la solution de cette équation, c'est 10. On passe à l'équation suivante. Vous avez x divisé par 8 égale à moins 3. Donc, vous devez réfléchir à l'opération inverse. C'est la multiplication. Donc, on doit multiplier les deux côtés par 8. Donc, x sur 8 fois 8 égale à moins 3 fois 8. Dans la partie gauche, il vous reste x, et dans la partie droite, vous obtenez moins 24. Donc, la solution de cette équation, c'est moins 24. Pour l'équation avant-dernière, vous avez 9x égale à 72. Donc, pour trouver la valeur de x, il faut penser à l'opération inverse. 9x veut dire que vous avez une opération de multiplication. C'est 9 fois x, donc vous devez diviser les deux côtés par 9. Donc 9x divisé par 9 égale à 72 divisé par 9. En simplifiant par 9, il vous reste dans la partie gauche x, et dans la partie droite, c'est 8. Donc la solution de cette équation, c'est 8. Pour la dernière équation, vous avez 5x égale à 20. Donc pour résoudre cette équation, nous devons diviser les deux côtés par 5. Dans la partie gauche, vous avez 5x divisé par 5. Et dans la partie droite, vous avez 20 divisé par 5. Donc, simplifions par 5, il vous reste x égale à 4. Donc, la solution de cette équation, c'est 4. Donc, voilà, c'est la fin. Merci pour votre attention et à bientôt.